Moussa de Lyon. Allez, bon match. C'est l'éducation qu'on fera. C'est l'éducation qu'on fera. Voilà, c'est ça, beaucoup plus disponible parce que le groupe problème pour la main, même tout le temps pour moi. On va le pion. Quand on prend des camarades ici, si c'est quoi, il traîne ici. Dans ce moment qu'elle a, que notre difficulté va le passer à toi, on a cette qualité à de faire ça, de trouver la ligne, d'allonger l'un sur l'autre, ok, on soit beaucoup plus disponible là, d'accord.
dis qu'on a pour ce soir, pour, même pour le match contre Katura et contre Dengueli, il nous a manqué vraiment la chance. Sinon, on a tout fait, on a eu les occasions. Ce soir aussi, on a eu plein d'occasions qu'on n'a pas eu la chance de concrétiser. Et sur le plan jeu aussi, on a dominé tout, pratiquement tous les 90 minutes. Et malheureusement, on n'a pas eu vraiment cette coup d'éclat là pour vraiment pour nous permettre de scorer ce soir. Moi, j'aimerais vraiment m'excuser vis-à-vis de mon coach. Je vais remédier ça pour le prochain entraînement de demain. Je vais présenter mes excuses à tous mes collègues, coéquipiers, qui n'est pas vraiment digne en tant que capitaine. J'ai le droit de donner le bon exemple. Donc ce soir, ce qui m'a poussé à faire ça, c'était vraiment d'avoir le but qu'on a encaissé. Et sur le coup de l'élément, je vois qu'on avait vraiment la possibilité de scorer. Donc c'est ce qui m'a vraiment poussé à mettre ma colère sur le coach. Mais là, vraiment, coach Baroin, et j'aimerais vraiment m'excuser. Tu sais que je suis comme ton petit frère, comme ton fils. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, donc je me présente toutes mes excuses à toi et à tout le staff et à tous mes coéquipiers. Merci. Une victoire est toujours bonne à prendre. Surtout qu'on avait le dos au mur, il fallait réagir et les jeunes gens ont su réagir. Je crois que c'est à l'heure active. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer de bosser et quitter cette place-là qui n'est pas vraiment honorable. Non, on savait qu'on avait affaire à une équipe qui sait jouer au football. Il fallait tout simplement les empêcher de jouer. Et c'est ce qu'on a fait, puis ça nous a réussi. Bon, voilà. Ouais, l'équipe de la SOA est une belle machine. Une belle machine. C'est des jeunes gens, il ne faut pas les brûler. Il faut les laisser le temps de progresser. Et puis, ils vont s'améliorer au fur du temps. Donc, vraiment, la SOA doit être fière de ses joueurs parce que c'est des joueurs de grande qualité avec un grand entraîneur. Voilà. Parce qu'on a fait l'essentiel dans ce match-là. Donc on prend un but encore un peu trop tôt dans le match. On a l'habitude de prendre ces buts-là et on a parfois du mal à ne pas revenir. C'est ça qui est dommage. Parce qu'après l'adversaire qui est regroupé devant son but, qui défend, qui procède par contre, nous met en danger. Là, nous, on n'arrive pas à vite revenir au score. C'est un peu la difficulté qu'on a dans cette saison même. Allez, on continue, c'est vraiment dommage qu'on perde, mais c'est comme ça. On va descendre un peu peut-être, mais bon, on va continuer à bosser. Et puis, un gros match là, il faut s'accrocher pour prendre quelques points quand même. L'emplacement est trop vite venu. C'est clair, après la blessure de Kamagaté, nous coûte encore un emplacement. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on perd le match. Sauf qu'on n'a pas bien défendu sur le bout qu'on prend et derrière, on a des opportunités, on n'arrive pas à concrétiser. Bon, c'est dommage, mais écoutez, c'est comme ça. C'est le premier qu'on va jouer. Après le premier, on jouera peut-être le deuxième, le troisième. C'est de gros matchs, mais on est capable de sortir de gros matchs, on est capable de gagner ces matchs-là. Comme on est capable de perdre, donc on va essayer de mieux récupérer et de mieux préparer ces trois matchs-là, trois gros matchs. Si on prend quelques points là, c'est pas mal. Nous maintenant, on va jouer pour terminer, pour s'assurer le maintien et puis essayer de jouer un gros coup en Coupe nationale pour espérer accrocher quelque chose pour cette saison.